Un homme de 23 ans, domicilié à Sucy-en-Brie, est entre la vie et la mort depuis ce dimanche matin. Il a pris 2 balles dans le thorax et a été transporté en urgence à l'hôpital intercommunal de Créteil. Selon les premiers éléments, un différend aurait éclaté à Bonneuil-sur-Marne entre la victime, qui serait agent de sécurité, et un de ses collègues. Une vigile, qui travaillerait avec les deux autres, aurait entendu les coups de feu avant de découvrir la victime allongée au sol. C'est elle qui aurait conduit son collègue inanimé à l'hôpital. L'homme soupçonné d'avoir tiré serait toujours recherché. Le parquet de Créteil a ouvert une enquête qui devait être confiée à la police judiciaire. Plus d'informations à venir.